tu as tout ce mal à en avant ou bien je vais prendre les deux pas. Là, quand je suis en train de faire les lignes blanches, voilà, rien. C'est ce que je vais découvrir à l'entour. C'est un drôle, après, il va faire plus de synthèse. Et non, on va, non, non. On a un peu plus gros, ça vient de se faire. Nous allons contribuer 50 millions de roupies sur 5 ans vers un des plus grands chantiers du pays. Et peut-être le plus complexe. Qui est celui de stopper la dégradation de notre écosystème côtier. Le bis la mer est la preuve que les ministères, un groupe privé ainsi qu'une ONG et des citoyens volontaires peuvent donner un coup de fouet à ce grand chantier national. Notre partenaire privilégié, soit l'ONG Reef Conservation, est connu pour son travail dédié à la protection de l'environnement marin. C'est pourquoi Rogers a été intéressé par notre projet de Mobile Marine Education Unit, visant à mettre les sciences marines et la problématique environnementale à la portée du grand public et des étudiants. Un bus éducatif, ludique, qui amuse. Chez Reef Conservation, nous travaillons sur trois grands axes. La sensibilisation, l'éducation et la recherche. La recherche est indispensable afin de trouver des solutions pour tenter de restaurer les dégâts causés non seulement par le réchauffement climatique, mais surtout par l'impact de l'homme sur ce trajet. L'idée de Bistamer qui sont entrés petit à petit. Un an et demi de travail et de recherche pour concrétiser notre idée. Nous ne sommes pas seulement mis sur le réchauffement climatique, mais surtout sur l'impact de l'homme sur l'écosystème marin côtier de notre île. Nous les ferons découvrir l'importance des mangroves, des coraux, des herbiers, des récifs, des marécages. Et comment est-ce que tout 70% des déchets jetés sur Terre finissent dans la mer, sans compter les herbicides et pesticides qui nuisent au bon équilibre de ce fragile monde très inconnu à ce jour. Je veux commander ce level initiative of the Rogers Group in supporting actions being undertaken for the protection of our coastal ecosystem in line with the Maurice Intubat concept. The development of this mobile education unit, which is the first of its kind in the region, is an innovative approach for carrying out sensitization campaign on environmental protection. To create an empowered citizenship, education and awareness are fundamental prerequisites. It is in this context that this Marine Mobile Education Project has a significant